Frères et sœurs, aujourd'hui, je rentre dans la tradition de la Kabbale. Je vais expliquer et parler de EZ et CZ qui se tient dans ces fioles dans la boîte de vie. Avant de commencer, mes frères et sœurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification et de aimer. EZ représente particulièrement de la créatrice qui vient de s'individualiser. EZ est ce qui permet à l'être d'acquérir sa propre identité. EZ sont de l'organisation et de la concrétisation de l'abondance, du pouvoir et de l'autonomie. EZ signifie la miséricorde. Son Torah est dit, tu honoreras le jour du Seigneur. Son planète est Zadket, qui se tient de la planète de Jupiter. Son élément est l'air. Son couleur briatique est le bleu. Son nombre est le chiffre 4. Son image est un puissant roi. Correspondance à la briatique de l'autorité. Son vertu est l'humilité et l'obéissance. Son vice est la tyrannie, l'hypocrisie, la bigoterie et gloutonnerie. Son clipa est l'idéologie, la clipa associée à la séphira, c'est-à-dire l'énergie négative associée à cette séphira. Son expérience spirituelle est la vision de l'amour. Son nom de Dieu est El. Son archange est Zadkiel. Ordre angélique est Asmalim. L'autorité, la créativité, l'inspiration, la vision, l'essai, le pouvoir séculier et spirituel, la soumission, la naissance. Et c'est se traduit par miséricorde, clémence ou grâce. Et on la connaît également sous le nom de Gedoula, c'est-à-dire majesté ou magnificence. EZ est ainsi une force en expansion, en don libre et total. EZ est définie comme la miséricorde, mais peut-il y avoir miséricorde sans liberté? EZ est pure acceptation, pure pardon et pure présence. EZ est une force créatrice sans cesse en expansion vers le monde extérieur. Une abondance totale sans altération possible. Dans la 32e de la sagesse, EZ est le 4e sentier appelé intelligence cohésive ou réceptive. Il est ainsi nommé parce qu'il contient tout.
tous les pouvoirs sacrés et de lui émanant toutes les vertus spirituelles avec essence le plus exalté. Elles émanant l'une de l'autre par les pouvoirs de l'émanation primordiale, la couronne suprême. Voilà, frères et sœurs. Dans mes prochaines vidéos, je vais vous parler de Geboua qui se tient dans la boue de vie de la Sephirot. N'oubliez pas d'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Dans les jours à venir, je vais vous donner des recettes très puissantes à haut niveau sur la Kabbalah. Merci.